Mesdames, messieurs de la presse, distingués invités, chers compatriotes, d'emblée, nous commençons par vous remercier pour votre disponibilité. Dans ce cadre de l'hôtel Versailles, parce que nous voulons parler République aujourd'hui, nous vous disons merci car la Bruyère disait qu'il n'y a pas un plus bel excès que celui de la reconnaissance. Deuxièmement, nous profitons de cette occasion pour garder une pensée pieuse. Pendant que nous nous sommes ici, certains sont en débandade dans des camps des déplacés, en difficulté, que ce soit Rutshuru, à Masisi, même à Beni. Nous sommes dans une situation tellement morose, morne et lugubre, faisant en sorte que nous devons réveiller notre côté patriotique en pensant à tous ces gens. Surtout, ça fait mal quand nous voyons toutes ces femmes et tous ces enfants qui sont en train de circuler dans toutes ces avenues, ces rues, en train de mendier dans un état dit hautement riche. Si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est par rapport à plusieurs plaintes. Nous sommes devenus, on dirait, un peuple pleurnichard par rapport à notre propre situation. Nous trouvons aujourd'hui réellement que le Congo est pris en otage, que ce soit sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et sur le plan social. Ce qui est vrai, que ça ne va pas. Tout ne va pas. Pendant que nous pleurons sur cette question d'ordre sécuritaire, à Kinshasa, on se bavane, on se dispute autour des postes. On ne sait pas ces postes pour gérer qui et pour gérer quoi pendant que le peuple est en train d'être exterminé. Nous nous sommes dit qu'au lieu de pleurnicher, de se plaindre toujours, il fallait prendre aussi un temps pour se poser des vraies et de bonnes questions. Les vraies et les bonnes questions, c'est savoir pourquoi ça bloque. Et ce comportement, c'est depuis 1960. De fil à aiguille, la République est toujours au statu quo. Aucune vision de développement, pragmatique bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde, ce n'est pas un secret, je dirais c'est un secret de polichinelle, tout le monde voit que le pays est pris en otage par une certaine classe politique où nous voyons les mêmes visages depuis 1960, les mêmes acteurs. Et aujourd'hui, qui ont vieilli, pas ces partis des pères aux fils, qui ont vieilli, ils ont fait la République démocratique du Congo leur clan. Et leur clan, c'est-à-dire ceux qui ont vieilli, commencent à céder leur place à leurs femmes, à leurs fils, à leurs copains, à leurs concubines. Et au détriment du sort collectif, presque 99% des Congolais se retrouvent dans ce que j'appellerais le marasme social économique profond. Personne n'a l'assurance du lendemain aujourd'hui. Personne n'a l'assurance. Les gens vivotent. Ils ne survivent même pas pour dire qu'ils ne vivent même plus. La situation est précaire. Nous nous sommes dit qu'il fallait quand même réfléchir en tant que Congolais, en tant que patriotes, pour dire quelles sont les pistes de solutions que nous, qui nous disons être élite de la République, qui nous disons être intellectuels, qui nous disons avoir une perception politique réaliste, que devons-nous faire pour apporter des solutions adéquates? Voilà qu'en réfléchissant, nous avons cherché les causes, on en a trouvé deux. La première cause, c'est la crise d'hommes d'État en République démocratique du Congo. Donc la classe politique est plus colorée d'une classe. Colorée d'une classe de ceux-là qu'on appelle politiques ailleurs, des impolitiques et des politiciens. C'est une classe où on ne trouve pas des hommes d'État. Parce que les hommes d'État, ce sont ceux-là qui se lancent en politique pour l'intérêt collectif. Ils voient l'intérêt du peuple, ils voient l'intérêt de la nation. Mais malheureusement, pour le gouvernement du Congo, la politique a changé de sens. La politique n'a plus de sens. C'est dire, quelqu'un va en politique avec un terme facile, pour se retrouver. Pourtant, la politique est un apostolat. La politique n'est pas un apanage de tout le monde. La politique, c'est un sacrifice. Celui qui s'élance en politique, c'est-à-dire qu'il s'élance dans une abnégation. Il s'est dit, je sacrifie ma vie au profit des autres. Mais au Congo, la politique est devenue une sphère de business. Ce sont les businessmen qu'on retrouve en politique.
Et c'est n'importe qui se retrouve en politique. On a vu des Bouviers ici qui se retrouvent en politique. On a vu ceux-là qui ne pouvaient même pas faire la politique. Et même quand ils se retrouvent en politique, ils n'ont rien à offrir. Mais malheureusement, c'est nous qui les appuyons. C'est nous qui avons le temps de pouvoir les élever, les juger plus loin, faisant d'eux les grands prêtres, les autorités morales, ce qui n'existe même pas en sciences politiques. La notion d'autorité morale ne revient qu'à un président de la République qui est président d'un parti politique. Dès qu'il entre en fonction présidentielle, il devient autorité morale. Ce n'est pas un ministre qui peut être autorité morale. Dans les sciences, pour ça n'existe pas. C'est seul le président de la République. Mais chez nous, il suffit de faire un kiosque. Parce que moi, ces partis que je n'appelle pas les partis, ce sont des kiosques. Quelqu'un crée un kiosque pour lui et pour sa famille. On l'appelle directement autorité morale. Avec quelles conséquences? Voilà que tout fait que la machine ou le moteur a grippé. Nous sommes au statu quo aujourd'hui, très bloqués. Et le président de la République et le peuple congolais, tous pris en otage. Mais il fallait trouver des solutions à cette situation. Pour que cela ne revienne pas, nous, en tant qu'Alliance pour la nouvelle vision du Congo, à nos vies qu'on sigle, qui n'est pas un parti politique, c'est une force de proposition. En République démocratique du Congo, des gens qui se mettent ensemble pour réfléchir ensemble, c'est dire qu'est-ce que nous pouvons apporter comme alternative face à telle ou telle autre question. Ce sont des patriotes, ce sont des panafricanistes engagés et déterminés pour changer ce Congo. Personne ne changera ce Congo à notre place, c'est nous-mêmes. Alors nous nous sommes dit qu'il fallait réfléchir, étudier ensemble pour trouver les causes réelles de cette stagnation. C'est pourquoi j'ai dit premièrement, c'est la crise d'hommes d'État en République démocratique du Congo. Et deuxièmement, c'est le système politique que nous avons, qui est un système politique importé. Il ne répond à rien en République démocratique du Congo, à part détruire le Congo. C'est ce système qui favorise tout ce que nous sommes en train de voir, famille, qui gère tout, tout, tout. Malheureusement, c'est nous qui sommes allés au référendum pour attester cette constitution qui renferme le système politique congolais. Alors, face à ces deux problèmes majeurs, nous nous sommes dit qu'il fallait normalement apporter une réponse à ces deux problèmes. Et la réponse efficace, nous nous sommes du côté de ceux-là qui pensent qu'il faut le changement pur et simple de la constitution. Il faut changer la constitution, c'est elle qui prend le pays en otage. Elle a été conçue, taillée sur mesure de tous ces belligérants depuis les années 2000. Ces gens ont pris le Congo en otage. La deuxième raison aussi qui fait que nous voulons le changement de la Constitution, c'est que cette Constitution n'est pas une émanation congolaise. Elle a été conçue en Grande-Bretagne, apportée au Rwanda, modifiée au Rwanda, améliorée au Rwanda et donnée aux Congolais. C'est que les Congolais ne savent pas. Et vous allez trouver plusieurs dispositions qui font que nous avions même vendu le Congo en partie dans cette constitution. Je prends un exemple quand on dit, par exemple, parce que nous savions de nos anciennes constitutions, on disait que le sol et le sous-sol appartenaient à l'État. Mais lisez dans cette constitution, on vous dit que le sol et le sous-sol, l'État gère la souveraineté de ces espaces-là. Donc, peut même céder une partie de ces territoires. Tout était programmé. Vous comprenez? Avec la complicité de ceux qui nous arnaquent aujourd'hui, qui nous détruisent. Nous nous sommes dit non. Ceux qui pensent à la révision de la Constitution, nous nous disons qu'ils sont naïfs. C'est une liberté, mais c'est faible parce qu'on a fait plusieurs fois la révision constitutionnelle qui n'a rien amélioré. Par exemple, de deux tours à un tour, c'était pour favoriser encore certaines personnes et une certaine classe politique. Nous nous disons qu'il faut le changement pur et simple de la Constitution. Et ce changement pur et simple de la Constitution nous amène à asseoir un nouveau système politique. C'est pourquoi ce nouveau système politique, nous l'amenons sous ce que nous appelons la loi Bala. La loi Bala, c'est le nouveau système politique pour un Congo congolais. Pourquoi pour un Congo congolais? Parce que pour nous, nous pensons que le Congo jusque-là n'est pas encore nôtre. Nous sommes manipulés de l'extérieur, tout vient de l'extérieur. Et toutes les décisions, nous devons chercher, que ce soit sur le plan financier, économique, sur le plan politique et diplomatique, nous allons toujours à l'extérieur. Il nous faut un Congo construit par les Congolais eux-mêmes. Et ce Congo construit par les Congolais
doit s'asseoir sur une loi fondamentale qui est la nouvelle constitution, la loi Bala, qui est le nouveau système politique congolais. Il y a plusieurs points que nous étayons dans cette loi, à peu près 12 à 13. Mais là, je pense vous dispenser de tous ces points-là. Nous allons peut-être nous appesantir sur quatre qui sont quatre éléments capitaux. Premièrement, c'est le système politique lui-même. Qu'est-ce que Anovic propose ? Anovic propose qu'on quitte la démocratie libérale que nous avons vers la démocratie populaire. Mais cette démocratie populaire doit être ouverte à 5 à 6 courants politiques. Fini les 1000 partis politiques. Parce que c'est ça même la base. Le fonctionnement de la démocratie, ce sont les partis politiques. Malheureusement, avec 1000 partis politiques qui ne donnent pas 1000 idéologies, qui ne nous donnent pas 1000 projets de société différents, ce ne sont que du copier-coller, pas d'idéologie, et on voit ces 1000 familles qui gèrent le Congo. Est-ce que nous pouvons avoir des courants politiques ? Qu'est-ce que j'entends par courant politique ? C'est juste un parti politique, je dirais, grand, qui va fusionner tous les partis politiques qui ont la même doctrine et la même idéologie politique. Parce qu'il est inadmissible aujourd'hui qu'on trouve la même idéologie en même temps au pouvoir et la même idéologie dans l'opposition. Ça ne se fait pas. C'est au Congo, vous trouvez l'UDPS, social-démocrate, au pouvoir. Le PPRD, social-démocrate, dans l'opposition. Deuxième élément, vous trouvez des grandes plateformes. Je prends par exemple le FCC, l'Union Sacrée. Vous y trouvez du tout. On dirait des paniers de crabes. Vous trouvez les fédéralistes, les unitaristes, tous ensemble. Les libéraux, les républicains, tous ensemble. Vous allez produire quoi ? Il n'y a aucune idéologie. C'est ce qui fait que le moteur grippe à chaque fois que nous voulons servir la République en termes d'idéologie. On est bloqué, en ce moment-là, au sentiment individuel. Vous voyez comment, la semaine passée, Mbosso avait pris en otage l'Assemblée nationale. Un individu, parce qu'il se sentait lésé. Maintenant, pour le satisfaire, on lui dit qu'il sera candidat deuxième vice-président de l'Assemblée. Comme ça, il peut libérer. Vous voyez, au lieu de voir la difficulté qu'ils connaissent toutes ces populations déplacées des guerres, tous ces gens qui ne savent pas manger et survivre, on va débloquer le sentiment d'une seule personne. Mais si on se retrouve dans un courant politique, parce que pour nous, dans notre courant politique, on a deux alternatives. La première, soit on fusionne ces partis qui ont la même idéologie, la même doctrine, soit tous ces partis restent dans un courant politique. Parce que nous avons vu par expérience, chaque fois qu'il y a élection, tous les partis politiques disparaissent. Il y a des regroupements. Pourquoi ne pas rester dans ces formats-là et ces formats bien assis, de manière idéologique? Si on en a 5 ou 6, ça fera en sorte que même lors des élections, chaque courant pourra nous donner 500 députés, candidats députés sur toute l'étendue de la République, fois 6, ça nous fera 3000 candidats sur toute l'étendue pour 500 sièges. Au lieu d'avoir des 40 000 qu'on a toujours eu, et n'importe quelle qualité des candidats. Nous préférons qu'on introduise le système de primaires au sein de ces courants. Ces courants, vous vous mettez ensemble, on met les primaires, vous voulez être candidat député national, provincial, vous commencez d'abord par convaincre dans votre courant. Ce sont les meilleurs qui vont sortir dans chaque courant et les meilleurs de chaque courant vont se rencontrer pour qu'on ait les meilleurs des meilleurs. En ce moment-là, la conséquence ferait qu'on aura de nouveaux visages, la conséquence ferait aussi qu'on ait en ce moment-là des députés mûrs, matures, qui ont milité politiquement, qui ont une vision idéologique selon leur courant et qui pourront facilement défendre la République. Mais quand aujourd'hui n'importe qui se retrouve député par corruption, par concussion, par prévarication, par clientélisme et tout ça, ça fait que tout pourrait bloquer. Alors, nous pensons également nous dire que ces courants politiques devront être subventionnés par l'État. Parce que la loi prévoit que les partis politiques doivent être subventionnés par l'État. La loi prévoit ça. Mais l'État ne sait pas subventionner 1000 partis. On va donner à chaque parti combien pour que le parti fonctionne. Mais si nous avons, par exemple, 6 courants, c'est facile pour un gouvernement de doter des moyens. Par exemple, $1 million par mois par chaque courant politique. Ils peuvent se mouvoir très facilement, sans problème. Et en ce moment-là, nous apportons encore une autre idée, celle que ce courant
ne resteront pas totalement politiques. Ce courant doit être à la fois politique, économique et social. Faire en sorte que ces partis politiques ou ce courant politique contribuent au développement du pays au lieu de la prise en otage du pays. C'est-à-dire quoi? Avec les financements qu'ils ont du gouvernement, ça peut faciliter à ce courant politique de se mouvoir vers la création des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Ils peuvent avoir des grands champs, ils peuvent avoir, pour récupérer tous leurs membres et tous leurs adeptes, qui peuvent avoir même des petits boulots, au lieu que les gens pensent qu'on vient en politique chercher du boulot. En politique, on ne vient jamais chercher du boulot. C'est une donne que nous apportons. Le deuxième point concerne la gestion des provinces. Aujourd'hui, la crise des provinces est restée imminente. Je crois que c'est la province de l'Équateur. On a suspendu l'Assemblée provinciale. Dès les débuts déjà, les mêmes problèmes restent parce qu'on veut satisfaire les égos de certains. Nous nous disons, pour calmer cette situation, qu'est-ce qu'il nous faudra? Il faudra qu'on entre dans une approche de nomination. Que le gouverneur soit nommé ainsi que les vice-gouverneurs. Mais en ce moment-là, on aura un gouverneur avec deux vice-gouverneurs. Le gouverneur fait la politique générale de la province. Le premier vice-gouverneur s'attelle à l'administration de la province parce qu'il faut relever l'administration. Il est trop basse, personne ne suit l'administration parce que l'administration constitue la colonne vertébrale de tout un État. Sans administration, il n'y a pas d'État. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est chargé de suivre de près cette administration. Mais de l'autre côté, on a un vice-gouverneur chargé des finances. En ce moment-là, il n'y aura pas la concentration de pouvoir autour d'une seule personne, un seul gouverneur, c'est lui qui est aux finances, c'est lui qui est à la politique. Non. Lui fait la politique générale, la vision, il donne le plan. Celui des finances fait sa politique financière, celui de l'administration fait la politique administrative de la province. Mais nous ajoutons encore une donne en province, c'est que le gouvernement provincial auront des députés, et plutôt des ministres au nombre de 20 au lieu de 10. Pourquoi au nombre de 20? C'est pour éviter toutes ces frustrations sociologiques qui font qu'il n'y a que certaines ethnies, certaines tribus qui se retrouvent dans les gouvernements provinciaux et les autres se sentent marginalisés. Si nous sommes au Nord Kivu, à l'allure où nous allons, suivant le système que nous avons, jamais on aura un toit ministre, jamais on aura un tembo ministre ici. Peut-être les Tutsis profitent par leur statut, suivant leur politique de belligérance, et ils ont un siège d'office. Vous comprenez? Maintenant, pour faire cet équilibre, il nous faudrait un gouvernement de 20. Et le 20 peuvent facilement toucher un peu à toutes ces tendances sociologiques. Là, c'est sur le plan de la province. Mais cette province doit être gérée et doit être contrôlée. Parce qu'on ne va pas dire qu'on a des gouverneurs qui sont libres. C'est pourquoi nous proposons la décentralisation de l'Inspection générale des finances, l'IGF, la décentralisation de la Cour de comptes, que ça soit aussi représenté au niveau de province. Le gouverneur, il est contrôlé par l'Assemblée provinciale, il est contrôlé par l'IGF, l'IGF qui va souvent par l'approche a priori concomitante et a posteriori, et vous avez la Cour de comptes qui vient toujours a posteriori. En ce moment-là, le gouverneur n'aura pas de marge de manœuvre. Mais il y aura une assemblée provinciale qui va se limiter à légiférer et à contrôler sans sanction pour éviter les crocs en jambes. Parce que le gouverneur n'est pas une émanation de l'assemblée pour que l'assemblée puisse le sanctionner. Donc l'assemblée fait rapport, l'IGF fait rapport, la Cour de comptes fait rapport, on pourra sanctionner au niveau national. Et en ce moment-là, les problèmes, tous les problèmes que nous avons dans les différentes provinces vont disparaître. Le troisième point, c'est concernant la capitale. Nous avons dit Kinshasa, il n'y a aucune ordonnance divine, aucun décret céleste qui dit que Kinshasa doit demeurer la capitale éternellement. Les autres pays ont déjà fait cette expérience, que ce soit au Burundi, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Nigeria, un peu partout. On voit la capitale muter. C'est pourquoi nous proposons une politique rotative de 30 à 40 ans, faisant en sorte que Kinshasa, qui était capitale, parce qu'avant que Kinshasa soit la capitale, c'était Vivi, qui est Boma aujourd'hui, qui était la première capitale de la République. Kinshasa, qui a fait plus de 60 ans, on ne peut pas tenter l'expérience ailleurs, comme le Belge prévoyait que ce soit Luluabourg. Luluabourg aujourd'hui, c'est Kananga. Pourquoi ne pas expérimenter? D'abord, premièrement, pas seulement parce que ça vieillit, mais premièrement, d'abord, Kinshasa est trop menacé. Vous voyez les espaces occupés par le Rwanda au Congo-Brazza. C'est-à-dire pas Maluku, c'est facile d'entrer et de stabiliser la République démocratique du Congo. Vous prenez de l'autre côté l'Angola qui nous menace un peu chaque jour avec Mbata, Moukolo et tout.
nous risquerons un jour de nous réveiller et trouver la capitale, qui est le siège des institutions, prise en otage et la République tombe. Le Belge pensait qu'il fallait centrer, donc excentrer, centrer la capitale, faire partie de l'extrémité vers le centre, à Kananga. 30 ans, 20 ans après ou 40 ans après, ça sera Kisangani, ça sera Goma, ça sera Olalaba, ça sera ainsi de suite. Ça permet aussi le développement automatique de toutes ces entités qui sont encore, je dirais pas archaïques, qui sont en retard. Et enfin, le dernier point pour aujourd'hui, c'est celui qui concerne le mandat électif. Le mandat électif pose aussi problème. Aujourd'hui, quand nous avons analysé, avec 5 ans, c'était un piège de cette constitution qui nous avait été amenée. En 5 ans, vous allez remarquer, nous avons la première année qui est une année de tractation. Vous voyez là, tractation. Pas d'institution mise en place, pas d'animateurs. Les familles se battent entre elles jusqu'à là pour mettre les chefs de famille aux institutions. La dernière année, c'est une année électorale. Donc vous allez voir réellement que le chef, qu'il soit de l'État, même le chef de l'exécutif au niveau provincial, n'ont que trois ans. En tant qu'expert en gestion de projet, je sais que c'est impossible d'avoir un projet de développement réussir en 3 ans pour 2 345 000 km². C'est quasiment impossible. C'est dans ce piège qu'on nous a mis encore. Nous devons réfléchir par rapport à nous-mêmes pour dire, nous nous proposons deux alternatives. La première, le mandat soit de 10 ans, non renouvelable. Pour tous les postes électifs. Vous êtes président de la République, vous êtes député, vous êtes gouverneur. 10 ans après, bye bye. Et ne rêvez plus venir gérer le pays. Ou soit, la deuxième alternative, c'est 7 ans une fois renouvelable pour tous les postes électifs. Parce que le système actuel fait qu'un député peut revenir même 1000 fois. C'est illimité pour un député. Mais nous pensons qu'il faudrait arrêter cette machine pour tout le monde. On arrête pour tout le monde, vous avez déjà servi. Laissez les autres aussi servir. Si vous avez mieux fait, ils viendront améliorer. Si vous avez mal fait, ils viendront aussi arranger. On va considérer ce qui est bon et améliorer ce qui est faible. Parce qu'on risquerait de nous retrouver dans une république où les gens ont le monopole de l'intelligence, le monopole du savoir, le monopole de la gestion. Ce qui est faux. Tout le monde a quand même une chose à apporter à l'édifice de notre patrie. Donc avec tout ça, la conséquence directe est qu'on ne verra pas les mêmes visages. Chaque fois, 10 ans après, vous êtes parti. Il y a d'autres qui viennent. 10 ans après, vous êtes parti. Il y a d'autres visages qui viendront. Je pense qu'on peut donner la chance à tous les Congolais qui ont une expertise, qui ont une expérience avérée pour changer la République. Voilà, en grosso modo, la quintessence de la loi Abala qu'on voulait partager avec vous. J'ai dit et je vous remercie. S'il y a une, deux questions, ça suffit. Moi j'ai une question, je voulais savoir pourquoi l'appellation de la loi Bala, pourquoi appeler cette loi Bala? Oui, parce que l'initiateur, le concepteur, le rédacteur, c'est Bala. Parce qu'une loi, quand elle est produite, elle porte le nom de celui qui l'a conçue. Ok? Vous avez parlé, je suis Gabriel, je suis directeur de la République.